Nicolas Sarkozy qui participait ce soir à sa deuxième réunion publique depuis son retour en politique. Il était à Troyes, en Champagne, aux côtés du sénateur maire de la ville, François Baroin. L'ancien président n'a pas prononcé de discours, mais il a répondu aux questions des militants. J'ai fait la campagne de 2012, j'étais président de la République. Je me suis donné corps et âme à cette campagne. Je ne vous ai pas trahi, je ne vous ai pas menti. J'étais sur les estrades et en même temps je gérais la France. Est-ce que vous croyez vraiment que j'avais l'occasion d'aller regarder les contrats de toutes les sociétés qui travaillaient pour faire les meetings, faire le décor? Carla Bruni-Sarkozy accompagnait son mari tout à l'heure en meeting à Troyes. Mais sur le web, c'est une autre vidéo qui fait parler d'elle aujourd'hui. Oui, c'est bien la même Carla, mais d'une autre façon. Elle lutte contre l'intimidation dans les écoles. Violence physique ou morale entre enfants, entre adolescents, via un spot. C'est un fléau à l'échelle mondiale, qui est présent au Québec, mais aussi en France. Il nous faut réagir vite pour le combattre. Nous ne pouvons laisser nos enfants ou nos adolescents évoluer dans un contexte hostile. Le milieu scolaire doit être un environnement sain, positif, enrichissant. Je dis non à l'intimidation. On a vu qu'en termes de trait d'image qui était accolé, l'ensemble étant vers une évolution qui est une évolution positive, le regard global à l'égard d'Alain Juppé a évolué positivement. Alain Juppé, est-ce que vous souhaitez réagir? Merci. Merci aux Françaises et aux Français. Jean-Daniel, on continue. Vous pouvez peut-être nous... Vous avez l'air ému. Oui, un peu. Barack Obama a-t-il fait une bourde protocolaire? Le compte Instagram officiel de la Maison-Blanche a diffusé cette vidéo de son arrivée en hélico à New York, où il sort avec des lunettes noires et un gobelet genre Starbucks. Et c'est ce geste qui fait polémique, le salut aux soldats qui l'accueillent avec un Starbucks et des lunettes noires, genre ça. Salut. Sur CNN, les élections législatives au Brésil, ça fait rire. Voici les clips des candidats. Un super-héros anticommuniste, Jésus, Obama, Ben Laden et surtout Thierry Rica, un clown analphabète, entouré de ses arguments de campagne. 22, 22, 22, 22. Là où tout ceci est un peu moins drôle, c'est que ces candidats ont leur chance dans un pays où la classe politique est perçue comme étant corrompue. J'aime ma boîte et moi je l'assume. Ils aiment leur entreprise et n'hésitent pas à le faire savoir. À Villeneuve-sur-Lot, les salariés d'une grande enseigne de hard discount ont fait un clip à la gloire de leur boîte et sans que personne ne les y oblige. Non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, c'était, je l'ai fait avec beaucoup de passion et d'envie.